put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough for you, boo. I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker. Shaker, yeah, she was a ball shaker. She shaked me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Thought she was my wife, but you stepped me in the back. Ok, salut les guerriers, et bienvenue sur Fitness Fusion. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, je sais que vous êtes curieux, je sais que ça vous intéresse de savoir combien les youtubeurs ils gagnent. Là, si vous êtes cliqué sur la vidéo, c'est parce que justement, on va vous parler d'argent aujourd'hui. Vous allez savoir combien gagne quelqu'un qui fait par exemple 1 million de vues. Vous êtes peut-être nouveau sur la chaîne, nous c'est Fitness Fusion, on fait beaucoup de sport, divertissement et tout en rapport avec la musculation. Si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour après cette vidéo. On fait ça parce qu'il y a beaucoup de nouveaux youtubeurs qui se lancent dans cette aventure et ils savent pas forcément combien ça va leur apporter. Ils pensent que YouTube c'est l'Eldorado, qu'on se fait tous de l'argent. C'est autre chose. Hein. Donc là aujourd'hui on a 30 000 abonnés, on a réussi une fois à faire 1 million de vues, c'était il y a 2 ans. Est-ce qu'on vit du YouTube à l'heure actuelle des vues? Donc on va répondre à tout ça dans cette vidéo en vous montrant pour exemple une vidéo qui a fait 1 million de vues. C'est la vidéo qu'on a fait, enfin que t'as fait il y a 2 ans, Thibaut InShape, qui du Jufi 4 la vérité. Donc c'était à l'époque du drama où il faisait des musiques là, tu sais. Super sujet les gars, super sujet intéressant. Qui nous tenait à cœur, on se devait de le faire. Thibaut quittait Jujuficat. Il m'a appelé, il m'a dit: hey Pimous, c'est quoi? Allô, je suis occupé. Ramène la planche de surf, il y a une vague de zinzin qu'on va prendre. Marvel Fitness nous a formé, on a vu ça, c'était pas une vidéo qui nous tenait à cœur, mais on s'est dit qu'il fallait la faire. Parce qu'on était nouveau dans le game et qu'il fallait faire des vues pour booster dans notre algorithme. Donc c'est ça. On la regrette un peu cette vidéo. Bon, genre, il n'y a aucun regret. Mais elle nous a quand même apporté. On n'en serait pas là où on en est. En termes d'abonnés et en termes d'argent aussi, on va vous montrer tout ça. Mais faut savoir que c'est pas ce qu'on fait sur la chaîne. Que ce genre de vidéo que tu fais 1 million de vues sur une vidéo alors que tu sais pas du tout tes vues habituelles, derrière YouTube il se dit mais eux c'est une dinguerie, et dès que tu vas sur une vidéo derrière ils vont te la mettre en avant. C'est pour ça qu'on conseille aux jeunes qui se lancent sur YouTube, donc si toi là t'as cliqué sur cette vidéo pour savoir si c'était le bon choix que tu faisais, on te conseillera d'abord de faire des vidéos buzz en fait pour attirer du monde sur ta chaîne. Par contre, ne pas faire que ça pour pas s'enfermer là-dedans. Ouais. On a toujours cherché à faire du contenu et de temps en temps balancer une vidéo qui pourrait faire des vues pour nous rapporter la visibilité sur la chaîne. Mais par contre derrière ça va entacher ton image. Les gens vont se dire: ah bah lui il fait que ça, il fait c'est pas terrible. C'est pour ça que c'est bien d'en faire une toutes les 5-6 vidéos. Ils vont s'abonner pour cette vidéo, ils vont ouvrir ta chaîne et ils vont voir qu'il y a plein d'autres concepts de vidéos. Ils vont se dire: ah, il fait de la muscu, c'est pas ça son truc de base et tout. Et ils vont pas vraiment accrocher cette image à toi directement. Parce que si t'as une image de mec qui fait que des vidéos comme ça, ça marchera pas sur du long terme. Nous on l'a beaucoup fait au début, de temps en temps on balançait des vidéos comme ça qui nous intéressaient pas forcément. Et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir 30 000 abonnés. Et maintenant, on n'est plus obligé d'en faire autant. De temps en temps, si on a une vague qui nous intéresse, on va la prendre. Ouais, si elle nous intéresse. Si elle nous intéresse, c'est ça. À l'époque, intéressant ou pas, on se disait là, il y a 1 million de vues à faire. C'est l'heure, faut y aller. On a essayé d'ailleurs sur Ragnar le Breton. Qui a fait beaucoup de vues. Voilà, que je déteste cette vidéo, mais bon. Mais elle a fait ses vues. Elle a fait ses vues, c'était l'objectif. On le disait même en début de vidéo. Ça fait 1 million de vues. Là, on s'est dit qu'avec ce genre de vidéo, on pouvait aussi faire voilà les vues. Quelques vues. On l'a fait Thibaut, InShape et Jujuficat. On l'a fait quoi encore? Avec Marvel, ouais. À l'époque où il y avait son histoire procès. Après ça c'est différent, même à l'heure actuelle on l'aurait fait parce qu'on soutenait Marvel dans tous les cas. Ouais, tu vois, c'est pas une vidéo que je regrette, Marvel. Non, c'est tout, c'était ces deux vidéos là surtout, hein, que je regrette sur la chaîne, tu vois. Parce qu'en plus elles apparaissent sur notre page d'accueil en vidéo populaire. 1 100 000 pour Thibaut et InShape. Et 133 000 pour Ragnar. 1 400 000 personnes qui nous ont vus pour la première fois sur ce genre de contenu. On nous a vus et c'est le principal. Le principal, c'est surtout qu'on a boosté notre algorithme. Derrière les vidéos qu'on a balancées, elles ont fait des vues. Bon, je pense qu'ils en ont marre. Ils veulent savoir combien on a touché. Combien de pépettes ça t'a rapporté? Combien de pépettes? Alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'avant qu'on vous mette le screen, la vidéo fait moins de 8 minutes. Sur YouTube, à partir du moment où une vidéo fait moins de 8 minutes, vous pouvez pas choisir où vous mettez vos pubs. C'est-à-dire, YouTube va mettre une pub et c'est fini. Alors que si la vidéo fait 8 minutes, vous allez pouvoir mettre autant de pubs que vous voulez sur la vidéo. C'est-à-dire, une au début, une au milieu, une à la fin, encore une par-ci, par-là. Et plus il y a de pubs, plus tu gagnes d'argent. Ça veut dire, sur 1 million de vues, nous, si on a gagné, on aurait pu gagner beaucoup plus. On aurait mis 4-5 pubs sur ce genre de vidéo, honnêtement. On aurait pu faire facilement. x3-4. Voilà. Et pour la petite anecdote, vous savez que ça allait faire beaucoup de vues. Et vu que là, ça faisait 2 semaines que vous avez rien publié, je balance cette petite vidéo pour redonner un petit boost à la chaîne. Parce que vous savez très bien que lorsqu'on met Thibaut InShape, ça fait des vues. J'ai senti, hein, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que même je le dis en début de vidéo. La vidéo, j'ai commencé à tourner à 13h, je crois. J'ai mis 20 minutes de tournage. J'ai fait ça très vite. En 20 minutes, la vidéo a été faite. Et il fallait faire le montage. Et j'ai fait très vite. Je voulais absolument qu'elle fasse 8 minutes. Mais le problème, c'est que j'étais attendu à un foot. Et j'ai fait très vite. Ah, je me rappelle. Tu m'as même déposé le PC pour que je l'upload parce que tu devais partir, je me rappelle. C'est vrai. Je lui ai déposé, je lui ai dit tiens, montage, upload ça vite ce soir. T'as juste à la mettre en ligne. Et j'avais dit à mon frère, ah, je suis dégoûté, je devais la faire, elle devait faire plus d'une minute et tout parce que je sais qu'elle va faire des vues. Et ça nous aurait permis de gagner plus d'argent.
Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Donc finalement, pour une vidéo de 8 minutes, vous voyez le screen à l'écran, on a fait... Elle faisait 6 minutes. On a fait presque 1000 balles concrètement. Voilà, 935,41 €. Ouais. Des millions de vues, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ouais. C'est pas que les vues de YouTube que nous, on va gagner notre argent. Ouais. Moi, je pense vraiment que sur YouTube, tu vas pouvoir commencer à gagner assez d'argent avec les vues. Si tu fais 30-40 000 vues et que tu sors une vidéo tous les 2 jours et que tu la monétises bien, là, tu pourras rentrer... 1500, 2000 par mois. Mais il va falloir bosser quoi. Faut charbonner. Déjà 30 000 à 40 000 vues, beaucoup. C'est beaucoup de temps. Faut des idées de vidéos, faut de la qualité aussi. Faut réussir à faire cliquer les gens à chaque fois. Mais ouais, à partir de 100 000 vues, tu vis bien du tout. Tu fais 300, 400 euros par vidéo facile. Vous voyez, avec 1 million de vues, les gars, 935. Après, si on avait fait plus d'une minute, si tu mets beaucoup de publicité, tu peux faire 3, 4, 5 000 euros sur une vidéo. Les gars qui font 1 million de vues, qui le font une fois par semaine, eux, ils peuvent vivre des vues YouTube, ouais. Y a pas de souci. Mais vous, si vous commencez, il ne faut pas s'attendre à gagner de l'argent très rapidement, parce que ce n'est pas facile de faire 1 million de vues. C'est des stats de télé, ça. 1 million, c'est énorme. C'est énorme, les gars, c'est énorme. Si vous prenez 1 million de personnes, vous les mettez devant vous, vous ne vous rendez pas compte de la dinguerie. C'est pour ça que maintenant, les mecs de télé, les mecs qui font des films, tout ça, ils viennent sur YouTube pour faire leur promotion parce que les vues YouTube, enfin, les YouTubeurs font autant de vues que la télévision. C'est la télé du futur, hein, de toute façon. Il y a plus de vues sur. Tu prends Squeezie, il fait plus de vues qu'une chaîne télé. Mais des Squeezie, des Inostal, des Michou, il n'y en a pas énorme et il n'y en aura pas énormément. Plus on va avancer, plus ça sera dur aussi de prendre leur place. Donc si vous vous lancez sur YouTube, essayez d'avoir un business à côté, comme nous c'est la muscu, c'est pas quelque chose qui va parler à tout le monde. Si on arrive à faire 30 000 vues par vidéo, c'est énorme. Ça. Quelqu'un qui fait que du divertissement, qui aura pas de produit à vendre à côté, c'est la merde. Voilà. C'est la merde. En fait, pour durer dans le temps, ça va être compliqué. Donc à vous de trouver des business à côté, monétiser, de vendre ça. Des choses derrière. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un site internet, fitnessfusion.fr. Voilà, vous retrouvez que des programmes muscu, personnalisés, des PDF déjà tout fait. Donc il y a plein de choses, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous transformer physiquement. Le but, c'est aussi de convertir les vues en clients. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avec les vues sur YouTube, c'est compliqué. La presse. Voilà. Par contre, ce qu'elle nous a apporté aussi, c'est un nombre d'abonnés. J'avais vu, est-ce qu'on peut le voir? Sur 1 million de vues, on a pris 4264. C'est énorme. Toi, à l'époque où on avait, je crois, on avait quoi, 6000 abonnés, 5000 abonnés à cette époque. Mais vous voyez, c'est ce genre d'abonnés-là. On n'est pas sûr qu'ils continuent à regarder nos vidéos. Ça fait des abonnés fantômes ensuite. Et derrière ça, YouTube, il n'aime pas. Parce qu'au début, lorsque vous lancez une vidéo, YouTube il va présenter votre vidéo, je ne sais pas si vous êtes 30 000 abonnés, à 1000 abonnés. Si sur ces 1000 abonnés, il y a beaucoup de personnes qui cliquent dessus, il va la recommander un peu plus à d'autres abonnés. Alors si les 1000 premiers abonnés, c'est des abonnés fantômes qui sont arrivés et qui ont pas cliqué. Grâce à cette vidéo-là, forcément, ils ne vont pas cliquer parce qu'ils nous ont juste vu une fois, ils ont kiffé, ils sont abonnés, mais derrière, ils ne regardent plus. Et la vidéo, elle disparaît dans le néant. Et la vidéo, voilà, elle descend. Donc, faut faire attention quand vous faites ce genre de vidéo. Si vous vous engagez à faire des vidéos YouTube, vous voulez être YouTubeur, préparez-vous, c'est pas facile, c'est un vrai métier, ouais. C'est très compliqué de gagner sa vie avec YouTube à l'heure actuelle. Surtout qu'il y a beaucoup de monde sur la plateforme qui essaye de le faire. Donc ne le faites pas, laissez-nous la place, on s'occupe de tout. Achetez-nous des programmes. Voilà, regardez nos vidéos et tout, on le fera pour vous, il n'y a pas de souci. Non mais c'est juste, faut être prêt les gars, c'est pas facile. Moi quand je me suis lancé, j'étais un peu naïf sur tout ça. Et c'est un vrai métier comme il l'a dit. Et il faut avoir une vraie stratégie. Nous c'était celle-ci au départ, faire une vidéo buzz, essayer de ramener un peu de visibilité, mais créer du bon contenu derrière, ça c'est super important. Donc nous on a d'autres concepts. Qui vont permettre de convertir ces gens qui vont arriver par ces vidéos-là, comme le jeu de loi. Ça, c'est un jeu de loi, mais version musculation, les gars. Donc, si vous n'avez pas vu, vous avez des petits extraits à l'écran, c'est assez fun et ça reste fort, c'est Fitness Fusion. Voilà. On a réussi à tenir quand même. Ouais, et on a vendu notre chaîne quand même. On est très fort. Et ça clique en plus. On est très très fort. Bon, si vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé l'honnêteté aussi, on vous montre les chiffres, les gars, preuve à l'appui. Pas tous les youtubeurs qui le font, au moins vous avez vraiment une idée de ce que peut générer une vidéo à 1 million de vues. Lâchez votre like, mettez un commentaire, essayez de nous donner un prix sur une vidéo de 1 million de vues pour 8 minutes de temps. Ouais, combien ça ferait tu penses? Ouais. Après c'est très volatile ça comme pari parce qu'il y a des youtubeurs qui sont très lisses, qui disent jamais aucune insulte, qui sont très règles tu vois YouTube, donc ils respectent fort. Et sur 1000 vues ils sont capables de faire 5 balles. Ouais, parce que le prix aussi va aussi dépendre du CPM, là il était à 2 euros. Ouais, non il est à 80 centimes. Et ça dépend aussi de la niche dans laquelle vous êtes. Nous, c'est le sport. Donc, les marques qui sont prêtes à mettre leur publicité sur notre vidéo, bah, ça va être des marques de fitness. Et ce n'est pas celles qui ont le plus d'argent. Alors que tu fais des vidéos voiture ou make-up, tu as Dior, tu as Volkswagen, tu as Audi, c'est une dinguerie. Voilà, tu as des marques de luxe, donc ils ont de l'argent et ils vont mettre ton CPM un peu plus haut. Voilà, je pense que vous savez tout. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si vous aimez bien Pimous, c'est lui, c'est cet homme. C'est moi, salut, comment vous allez bien? Puis voilà, il y a moi aussi des fois de temps en temps. C'était Fitness Fusion, force et fun.